Coucou les amis, nous revoilà pour la même mission. Alors je sais, ça fait trois fois au total, mais la première fois c'était du let's play simple en m'amusant. Ensuite je voulais vous montrer en mode un peu bourrinage en faisant du bruit, et là cette fois-ci donc ça va être en mode furtif total. Enfin, quand je dis total, c'est-à-dire que on va dire que je vais faire en sorte de ne pas utiliser d'armes à feu. Voilà. Pas d'armes à feu. Ça va être un. Comment ça? Ça va être un défi que je me lance. Aucune arme à feu. Et bon, alors, cela dit, c'est pas difficile. Mais enfin, dans ce niveau-là, en tout cas. On va garder ça au cas où, quand même. Le fusil d'assaut. Ah mais si qu'on peut. Mais ouais, mais c'est génial. On peut transférer donc le fusil d'assaut. Ah mais c'est génial. Et bah du coup, voilà. Ouais, non, si c'est bien ça. Du coup, je suis pas tenté de m'en servir. Non, c'est une très bonne idée ça. C'est une très très bonne idée. Voilà. Donc je garde quand même le kukri, l'arme contondante, l'espèce de hache. Je garde l'arbalète. Bah, de toute façon, l'arbalète en même temps, voilà, c'est l'arbalète de Dari. Vous pouvez constater à l'écran, on ne peut pas transférer. Ni le couteau de chasse qu'on a de base d'ailleurs. Le kukri, boisson énergétique, les carreaux, on peut tout transférer. On peut même déposer au sol, etc. Enfin bon, etc. Tralali. Oh là là. Bon, ça marche. Attends, je vais regarder une autre petite chose. Trois. Ah, le marteau. Qu'est-ce que je n'aime pas ce marteau dans le jeu-là? Enfin, c'est rigolo, mais bon, je préfère quand même les armes qui tranchent, quoi. Oui, on sait. On est au courant de tout. Hein. Allez, c'est Yes, parti. what you got? Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'on a comme ici? On a le revolver qu'on va pas. Oh, je peux peut-être ramasser ces balles de pistolet plus tard, quoi, on va dire. Mais le revolver, de toute façon, j'en ai déjà un par défaut dans la voiture, il me semble. Hein. Bon. Donc là, vous allez me dire, il est où le mode furtif là? Parce que je sais que c'est des zones où il n'y a rien, hein, mais voilà. Bon, mode furtif ou pas, de toute façon, le petit script avec le connard là derrière. Bah là-bas, quoi. Il va nous casser les couilles, hein. Regardez. Voilà. Il y a plus de balles. Ah, il y a plus de grenades que tout à l'heure, tiens. Impeccable. Alors, j'en suis où dans l'inventaire? 8. Ah, ça va. Ça va, ça va. Du coup, c'est là qu'on peut se dire que bon, bah, les. Ah, mais il n'y a pas une. Ah, vous voyez? La fois d'avant, il y avait une fusée de détresse, juste là. Elle n'y est pas. Donc, il y a pas mal de petits trucs qui sont comme ça aléatoires dans le jeu. Moi, j'aime assez bien, personnellement. Vraiment, vraiment, c'est très sympa. Alors ça, il n'y en a pas souvent ici. Et franchement. J'entends des connards. Worse for sure.
Ouais, bah évite de parler trop fort quand même. Bon, il se relève, on sait pas pourquoi, alors que bon, normalement, il a pas dû m'entendre. Mais c'est pas possible des trucs pareils. Non. Pas possible ça. Ah bon bah le revolver, je crois qu'on va le, on va lui dire de se casser. Hein. Munitions, fusil d'assaut. On va le déposer et on va prendre parce que ça sera peut-être utile. Bon. Ça va être vachement utile. Par contre, le truc qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas une deuxième fusée de détresse ou encore une bouteille en verre. Bon, après, ça va. C'est faisable quand même. Squad 2 Gen Able, assist squad 440 at 2100 Crisp Avenue. Hey, you need a meeting of attention? Looking for my Uncle Jess and work. Give me a description. You've been to the. Watch yourself. Everywhere. I lost a man right here in the station. Can't be too careful. Tu fais voir que je regarde un truc quand même. Ok. Ah mince, je me trompe de route. Le gars, il connaît tout par cœur, mais il se trompe de route quand même. Bon, de toute façon, je sais qu'il n'y a personne là, donc je vais y aller franco. Allez, c'est parti. Voilà. Petite munition de fusil d'assaut pour la prochaine mission, ça pourrait être utile. J'ai ça et ça, ok. Fusée de détresse, j'en ai qu'une. Alors, ce genre d'objet, on peut les choisir que par l'inventaire. On peut pas faire autrement. Ok, ça marche. Thank you.
lequel elle n'était pas morte. Ça va. Pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. On va gaspiller une flèche pour elle là-bas. Hop! Parce qu'on sait qu'elle va se réveiller. Donc ça c'est fait, elle nous emmerdera plus. Voilà. Voilà, donc ça c'est fait. Bon, je parle pas trop parce que je me concentre, mais bon, après, vous voyez bien que c'est quand même assez facile. C'est plus sur la fin où on sait qu'il y a des zombies. Voilà, petit script quoi en fait. Quoi. Je sais pas s'il est réveillé ou pas lui. Sympa le bug. Oui, il y a lui qui va se ramener là. Voilà. Et donc là, normalement, trouver un nouveau véhicule. Donc là, en fait, j'ai plus qu'à retourner voir le shérif pour lui parler. Et là, trouver un nouveau véhicule sera alors barré. On ne sait pas, hein, des fois que quelqu'un regarderait cette mission-là pour la première fois, par cette vidéo-là, autant que je le dise. Il n'y a pas des petits cons, là, hein ? Personne, là ? Il n'y a pas des petits cons. Tu m'as pas vu, toi. Ah, elle est pas mal, celle-là. Voilà, bah, je crois qu'on réserve jusqu'il faut, là, quand même. Eh ben, je suis gâté. C'est bon ça. Je vais voir ce que j'ai en munitions. Fusil à pompe. Alors, il y a 8 balles
dans le fusil. Et 11 balles. D'accord, et 11 balles de côté. Très bien. Fusil d'assaut 90. Pistolet 6. Ouais, pas mal. Et 2 grenades. Non, mais c'est marrant, c'est quand tu passes en mode furtif qu'il y a 2 grenades. Alors que la fois d'avant. J'aurais dû faire le contraire, quoi. Parce que finalement, j'ai plus de munitions. C'est dommage, quoi. C'est dommage, parce que là, honnêtement, avec 2 grenades, j'en aurais fait péter un peu plus. Mais bon, comme je vous ai dit, les munitions, c'est aléatoire, on peut pas... Bon, alors après, le mieux, je pense que ce serait une connerie de passer par là-bas. Pas ce qu'il fait lui. Voilà, c'est bon. Ils ont tendance à faire ça en fait. Ils marchent un peu, ils font demi-tour. Voilà, ça m'empêchera pas de passer. La première fois, je crois qu'il m'a presque foutu les jetons, lui, parce que je m'étais dit, putain, il va se réveiller ou pas? Pas vu. Tant mieux. Que demander de plus? Lui, par contre, il m'a vu, lui. Mais c'est pas vrai, hein? Alors, il commence à faire chier, lui, hein? André, mais cet André, il est partout, hein. Je voulais le prendre par derrière. Et bien sûr, pas comme on pourrait l'entendre. Hein. Ah, le mec, putain, il a des sous-entendus. Tu m'as vu ou pas? Ah, bande de boulets. Ugh!
Donc ça c'est bon, on a nettoyé la zone, je crois que là-bas, il n'y a plus rien, hein. Ouais, non, c'est bon. Donc là, on va les amis. Hop. Putain, connard! Mais c'est pas possible, ça! Faut dire que c'est de ma faute! J'aurais pas trop tardé à tirer aussi. Ah bah te voilà toi, Jean-Louis! Mais je pensais te prendre... Ah mais c'est pas Jean-Louis! Mais c'est Josiane! Mais oui, mais... tellement des gueules pas possibles aussi! Mais c'est infernal là-dedans, en fait c'était toi qui étais là. Oh là là, mais quel travail, putain. Ah ben, tu crois quoi toi? Tu crois m'avoir comme ça toi? Hey hop. Bon alors du coup, la flèche que j'ai lancée là. Bah ouais, voilà, comme ça les enfants, ça arrive. Des fois c'est... Ah! Voilà. Ça m'arrivait d'en perdre. Mais je pense que c'est surtout... Ouais, j'en ai perdu, mais par ma faute. Hein. C'est pas genre... Il est mort, Coco. Voilà. Allez, on va chercher le patrouilleur. Et voilà, c'est fini. Nous sommes morts. Waouh, nous sommes donc à la fin de la mission. Voilà, à la fin de ce let's play. Voilà, tout simplement. Uncle Jess, where the hell you been, you old coot? Mais là, si je passe le pas de la porte, c'est le script. Wouh, c'est ça qui est bien. Regardez comment il bouge. Voilà quoi. Ah le salaud. Bon voilà quoi. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Écoutez, je crois qu'on va passer quand même, on va passer le script, comme ça on passera au niveau suivant. Hey, oncle Jess. Jess? Mais... Oh, mais oncle Jess, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais oncle Jess? Oh, ben non! Oh non! Oncle Jess est mort! Oh là 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 là, mais c'est pas possible! Oncle Jess, c'est pas possible, papa! Et puis maintenant, tonton! Ouais, enfin, bon, bref. Voilà quoi. Jimmy a attendu dans le véhicule. Bah, évidemment. Je voulais pas qu'il se fasse buter, ce connard. Bon bah voilà, une grande berline de trouver, c'est la fête, hein, voilà, tout simplement. Et voilà. C'est pas beau ça? Bon, et ben très bien. On en est où? Bah je sais plus. Ah ah! Voulez-vous vraiment continuer? Ouais, on va continuer.
Voilà, voilà, les autorités de Fontana ont barricadé la ville pour protéger la population de l'invasion des rôdeurs. Ces mesures ont été efficaces jusqu'à un certain point. Voilà, mais je ne continuerai pas. Je la ferai peut-être, je ferai peut-être cette mission dans une autre vidéo. On verra. On verra. Si vous êtes sage, hein, bien sûr. Hein. Allez. Ciao les coquins. Bisous et puis bien sûr que le rock'n'roll et que le métal soient avec vous.